Alors, deuxième petite vidéo, un peu plus au vitriol, cette fois-ci sur ce Rodking 2011 que un client et ami à moi a acheté neuf, donc chez Harley Massilia, et a équipé d'accessoires en se faisant plaisir, on va dire, hein. Ce modèle est quasiment équipé de 6000 euros d'accessoires, uniquement des accessoires du catalogue Harley. Alors le coup de gueule, c'est justement bon, ben, la qualité de l'ensemble. Alors en matière d'accessoires, bon, les marchepieds, traditionnellement, commencent à piquer et à rouiller. Marchepieds avant, qui commencent aussi à piquer. Les protèges-sacoches, ben, en gros plan, on voit que ben, ça commence à rouiller, hein, tout simplement. Voilà les supports, gros plan sur voilà les supports de l'attache rapide de 6-6 barres complètement rouillés. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Eh ben, les traditionnelles vis de rétro, lamentable. De la rouille sous les passing lamps, truc à 3 ans. Bon, les rayons des jantes et le disque, on a l'habitude chez Harley, hein, les tubes de fourche qui se piquent aussi. Ça, c'est un peu, ça fait partie du jeu, on va dire, si on peut trouver ça encore marrant. Voilà, bon, allez, on continue. Donc, le gars a acheté vraisemblablement pour plus de 300 euros la tringlerie, le sélecteur et les pédales, et bien entendu, les pieds de vis chez Harley. Ça rouille. Voilà, donc 6000 euros d'accessoires ou pas loin sur cette machine. J'en passe, hein, des petites casquettes de clignotants, le 6-6 bar, la selle, le confort, le top case qui est pas très voilà, support de plaque. Et puis ben, tout ça qui rouille joyeusement. Un peu lamentable, il faudrait un jour quand même qu'ils comprennent que sur une moto qui est facturée neuve, 22 et qui arrive dans cette configuration à presque 28 000 euros, c'est carrément lamentable.